Bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter un produit de la marque de hockey, de mon partenaire. C'est tout simplement une lampe RGB, comme vous l'aurez deviné. Du coup, on va tout simplement déballer le contenu de la boîte. À la boîte, vous avez tout simplement, comme d'habitude, la clé de garantie de hockey, tout simplement de 2 ans, comme d'habitude. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir 2 ans de garantie sur un petit produit. À l'intérieur aussi, vous avez tout simplement le manuel d'utilisation, comment on utilise, comment on éteint, voilà, tout simplement. Voilà, un petit manuel bien rempli avec toutes les lampes. Et à l'intérieur, vous avez tout simplement la lampe. La lampe est tout simplement bien protégée avec tout simplement un petit plastique pour bien protéger contre les chocs. Et du coup, là, je simplement viens de déballer tout le contenu de la boîte. À l'intérieur de la boîte ici, vous avez tout simplement un câble USB 2.0, simplement pour la brancher directement vers la lampe. La lampe, elle fonctionne aussi sans fil, c'est ça qui est bien. Vous la chargez, elle a tout simplement une batterie de 2650 mAh. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Du coup, là, je vous montre simplement tout ce qu'elle peut faire, la lampe. Voilà, petit focus. Et voilà, simplement une batterie de 2600. Voilà, vous avez simplement le petit bouton off, on. Voilà, on va simplement allumer la lampe. Comme d'habitude, vous allez simplement retrouver le lien du produit dans la description pour toutes les gens qui souhaitent le commander. Il coûte vraiment pas très cher. C'est ça qui est bien avec les produits d'Okay. Du coup, tout simplement pour l'allumer, vous allez simplement appuyer sur le petit bouton comme dans la vidéo. C'est simplement un bouton tactile. Et du coup, là, je viens simplement d'éteindre ma lumière. Vous pouvez voir tout simplement, ça donne vraiment des lumières super belles. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'était Fintech. Moi, je dis simplement bonne vidéo. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour une fois, je vais vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Cela m'a fait vraiment super plaisir. Quand vous avez vu le titre en miniature de la vidéo, aujourd'hui, on se retrouve sur Fortnite Battle Royale, comme d'habitude, pour un tout nouveau glitch de V-Bucks en illimité. Voilà, comme d'habitude, on n'oublie surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, également à la chaîne de Proc qui se trouvera dans la description. Du coup, mon palier, c'est d'atteindre les 30 000 abonnés. Voilà, tout simplement, on va faire un petit concours. Du coup, comme d'habitude, on va tout simplement se retrouver pour le glitch. Comme d'habitude, pour le glitch, ce que vous allez faire, vous allez simplement aller vous rendre dans la boutique de V-Bucks. Une fois rendu dans la boutique de V-Bucks, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer plusieurs fois sur acheter, acheter, acheter. Après, vous allez simplement faire le bug, la même chose que moi, vous allez simplement revenir vite fait à la boutique de V-Bucks. C'est vraiment très important de faire la manipulation vite fait. Après, vous allez simplement cocher bug, mon sujet, vous allez simplement écrire exactement la même chose que moi et d'encore du message, la même chose que moi. C'est vraiment très important d'écrire la même chose que moi. Du coup, après avoir envoyé votre message, ce que vous allez faire, vous allez confirmer votre message. Là, vous allez simplement choisir le mode de jeu comme dans la vidéo. Une fois choisi le mode de jeu, ce que vous allez faire, vous allez simplement cliquer sur le mode de Battle Royale comme dans la vidéo. C'est vraiment très important de faire ça vraiment très rapidement. Du coup, après avoir cliqué sur le mode de Battle Royale, ce que vous allez faire, vous allez simplement aller refaire encore la même chose qu'au début de la vidéo. Vous allez cliquer sur 13 500 V-Bucks et là vous allez revenir. Et du coup, après, vous allez simplement choisir le mode de jeu encore une fois. Moi, c'est vraiment très important de faire cela le plus rapidement possible comme dans la vidéo. Du coup, après, vous êtes simplement cliqué sur le mode de Battle Royale et simplement vos V-Bucks vont revenir d'ici demain ou après demain. C'est vraiment très important de faire vraiment ce glitch vraiment très rapidement avant qu'il soit patché. Moi, j'ai déjà obtenu plus de 14 000 V-Bucks. J'ai déjà fait pour 1 000 V-Bucks, pour 13 500 V-Bucks. C'était Fintech. Moi, je suis simplement bon à tout le monde. Allez, bye.